était une fois un petit garçon appelé Kay et une petite fille appelée Gerda. Ils étaient voisins et amis. Mais avant d'écouter leur histoire, vous devez savoir qu'un mauvais diable avait fabriqué un miroir magique. Ce miroir montrait les choses en les déformant. Ce qui était beau devenait laid, et ce qui était laid devenait beau. Un jour, ce diable décida de voler jusqu'au ciel avec son miroir et de faire des farces au bon Dieu et à ses anges. Mais, en montant au ciel, le miroir lui échappa et, patatras, il se brisa en mille morceaux qui se répandirent un peu partout sur la terre. Depuis ce jour-là, tous ceux qui avaient reçu un éclat du miroir du diable dans l'œil voyaient les choses déformées. Quant à ceux dont le cœur avait été atteint, ils étaient devenus méchants et froids. Justement, le jeune garçon dont nous allons vous conter l'histoire est de cela. Kay a reçu un éclat du miroir du diable dans l'œil et un autre dans le cœur. Depuis, il fait des farces méchantes à tout le monde et taquine même la petite Gerda. Il ne sait plus s'amuser. Son cœur est froid comme un glaçon. Kay veut des jeux sérieux. Un jour, il montre à Gerda un flocon de neige sous une loupe. « Regarde comme c'est instructif !» lui dit-il. « Vois-tu tous ces cristaux ?» Mais Gerda ne s'intéresse pas aux cristaux. Elle a envie de faire un bonhomme de neige. Méprisant ses jeux d'enfant, Kay la quitte et part en luge dans la neige. Les jeunes garçons audacieux ont l'habitude d'accrocher leur luge à l'arrière des charrettes pour se faire tirer dans la campagne. Aussi, lorsque Kay voit arriver un traîneau magnifique tiré par des chevaux blancs, il n'hésite pas et y accroche sa luge. Or, dans ce traîneau est assise une belle dame emmitouflée dans un grand manteau blanc. Le traîneau entraîne la luge à toute vitesse dans la neige. Kay s'amuse, mais la neige devient de plus en plus épaisse. Il crie « Arrêtez! Arrêtez !» Mais sa voix se perd dans le vent glacé. Finalement, les chevaux s'arrêtent. La dame se tourne lentement vers Kay. Elle est grande, mince, éblouissante de blancheur. Kay remarque que son manteau n'est pas de la fourrure blanche, mais de la neige. Et il comprend qu'il se trouve devant la reine des neiges. « Monte dans mon traîneau, dit-elle, et viens te réchauffer sous mon manteau. » Elle embrasse Kay sur le front. C'est un baiser glacial, mais très doux. Et Kay oublie Gerda, sa maison et le reste du monde. Ils parcourent ensemble des déserts de neige. Kay est ravie. La reine des neiges l'a envoûtée. Gerda pleure longtemps la perte de son ami. Quand le printemps arrive, elle met ses souliers rouges et va à la rivière pour lui demander si elle a vu passer Kay. Tiens, rivière, je te donne mes souliers rouges. Ils sont tout neufs, dit-elle en les jetant à l'eau. Dis-moi où est mon ami Kay. Mais les souliers reviennent vers elle. Gerda décide alors d'aller voir elle-même sur la rivière. Elle monte dans une barque et rejette ses petits souliers rouges à l'eau. La barque file sur la rivière à toute allure et Gerda prend peur. En l'entendant crier, une vieille femme arrive en courant et attache la barque à un piquet. C'est une magicienne. « Pauvre petite fille, dit-elle, si loin de sa maison et sans souliers, que t'est-il donc arrivé? Viens chez moi, tu vas tout me raconter. » Gerda raconte son histoire et la femme peigne les longs cheveux de la petite fille. « Tu es jolie et je te garde, » dit la magicienne. Dès cet instant, Gerda oublie Kay, sa maison et le reste du monde. La magicienne est rusée et sait beaucoup de choses. Elle se dit que si Gerda voit les roses du jardin, elle repensera à son jardin. Alors, d'un coup de baguette magique, elle fait disparaître toutes les roses. Les jours passent et Gerda ne se souvient de rien. Mais, un matin, un oiseau passe
une rose au bec. Gerda voit la rose et subitement, la mémoire lui revient. Elle s'enfuit du jardin et demande en pleurant aux animaux de l'aider à retrouver son ami Kay. Mouah, mouah, fait un grand corbeau noir. Je crois connaître le garçon que tu cherches, mais c'est un prince maintenant. Il vit dans un palais avec une princesse. Le corbeau raconte à Gerda que ce garçon a conquis la princesse par son intelligence et son audace. Ah oui, dit Gerda, c'est sûrement mon Kay. Je suis certaine que c'est lui. Moi, tu crois ? Répond le corbeau. Alors écoute-moi, ma fiancée, la corneille, vit au palais. Je crois qu'elle pourra t'aider. Viens, nous allons aller la consulter. Le corbeau conduit Gerda auprès de la corneille, qui entraîne Gerda par de sombres escaliers jusque dans une salle magnifique aux vitraux de toutes les couleurs. Dans cette salle se trouvent deux lits en forme de lys. La princesse dort dans un lys, le prince dans l'autre. Gerda tire doucement sur la couverture du lit du prince et, en voyant des cheveux bruns, elle s'écrie « C'est lui! C'est mon ami Kay !» Le prince s'éveille, se redresse, mais ce n'est pas Kay. Gerda fond en larmes. La princesse s'éveille à son tour et demande d'un ton sec à Gerda ce qu'elle fait dans leur chambre à coucher. En écoutant sa triste histoire, le prince et la princesse, émus, décident de lui donner une paire de bottes, une robe, un manteau et un carrosse pour continuer son voyage et retrouver son ami. Le lendemain matin, habillée de soie comme une princesse, Gerda monte dans un carrosse d'or et, fouet de cocher, les chevaux partent au grand galop. Le corbeau et la corneille accompagnent le carrosse jusqu'au premier tournant, puis s'en retournent à leurs affaires. Chargé de fruits et de chocolat offerts par la princesse, le carrosse d'or file comme le vent. « C'est de l'or! De l'or !» crient les bandits de la forêt en le voyant passer. « Vite, barrons-lui la route! Nous allons l'attaquer !» Et vlan, ils font tomber un arbre au détour d'un tournant. Dans son carrosse immobilisé, Gerda se met à trembler. Elle est bien rose et bien dodue, cette jeune fille, s'exclame une vieille femme de la bande. Nous allons nous régaler ce soir au dîner. Et elle s'approche avec un couteau pointu pour tuer Gerda. Mais soudain, la voleuse se met à hurler. Aïe! 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 C'est sa petite fille qui vient de la pincer et de la mordre jusqu'au sang. Laisse-la! Crie-t-elle à sa mère en tapant du pied. Ne la tue pas, elle sera mon amie. Elle insiste tant que sa mère accepte, mais prend à Gerda ses bottes fourrées et son manchon de fourrure. N'aie pas peur, dit la petite voleuse. Je les empêcherai de te tuer. Sauf si tu ne fais pas ce que je veux, bien sûr. Arrivée au repère des bandits, la petite voleuse emmène Gerda dans sa chambre. C'est un pigeonnier.